Donc là, on a un des grands, grands sponsors du Kino Porquerolles. C'est le directeur de l'hôtel Sainte-Anne, l'hôtel-restaurant. Et ce monsieur nous a offert juste plein de chambres, les petits déjeuners. Enfin, bon, c'est juste. Voilà. Moi, j'aimerais que. Voilà. Et à boire aussi. Et à boire. Je suis venu pour le rendez-vous, mais. Allez bien. Donc, vous déconnez devant une caméra avec l'incruste, et après nous derrière, on met. Et nous, on met. On met. Et tu n'écoutes pas, ils sont. Mais tu écoutes, ah, mais ils sont. C'est bon. Mais bon. Ben oui, alors. Pourquoi? Ah oui, mais bon, parce que l'eau, tu veux. Il y a deux nanas qui arrivent sur une plage, ont l'air de sortir de l'eau, on ne sait pas trop. Elles sont avec un mec, et le mec a une balle dans le corps, et elles ont un flingue et un sac. Et elles sortent de l'eau et le mec leur claque dans les doigts, elles sont super. Enfin, elles sont super tristes. On est même dans la même chambre, non? Je sais plus. Je crois. Hein. Ah, on sait où on dort. J'aime bien la manière dont ils nous. Ça stabilise. Ah, je pense qu'il filme. C'est ça. Nessuno sa la verità, un grande amore mai più grande esisterà. Ça y est, allez, bonsoir, la fin. À demain. Non, mais demain on sera plus en forme en fait. À demain. Allez, bonsoir, à demain. Salut. Je me suis dit, il y a des chemins de terre alors. C'est mon ordinateur. Oh bah ok, c'était tout à fait. On peut y aller. Alors les filles. Bah. Qu'est-ce que vous faites? On a 7 ans. On a le. Mais surtout toi là avec ton sac. Bah voilà, tu vois tout de suite nous rejoindre. 5 minutes. Ça arrive pas, il y a rien. C'est ici le soleil. C'est ici que ça se passe. Il est comme ça. Et que vous avez apporté quoi pour les cheveux? Mais non, normalement, on ramène un truc à boire. Oh là là. Merci encore. Hein. Merci beaucoup. On y va, suivez-nous. Alors là, nous sommes dans le couloir qui mène au summum, au Saint Graal, au Nirvana. Mais j'ai pas trouvé la lumière pour la mezzanine. On dort avec quelqu'un qui ronfle. Ouais, c'est vrai, on va dormir. Vous pensez recevoir des invités bientôt? Non, pas encore. Non, elle a dit pas encore. Aujourd'hui, enfin, pas. On en reparle. Vous allez vous baigner ou pas cette nuit? Ah bah non. Non, pas cette nuit. Ah la bonne idée. Mais j'ai un maillot de bain. Moi. Ça, il fallait en parler à Mehdi. C'est vous à la Borat? Hein? À la Borat? T'as pas le truc fluo là? Malheureusement, non. Si t'avais un vœu à faire pour demain, cinématographique. La grasse mat. Ah merde, cinématographique. Cinématographique. Alors attends. Eh ben, j'aimerais bien jouer. Ah, j'avais joué. Ok, si tu avais un vœu cinématographique. Un vœu cinématographique. Donc, il y en a un de vous qui a la clé. C'est fermé à clé, tu me donnes. Je crois qu'on va être obligé de dormir. Bah, non. Je crois qu'on va devoir dormir là. Qui a la clé? Qui a les clés? Qui a nos clés? Si tu avais un vœu cinématographique. Non, mais c'est pas grave, il y a un chose là. Avec chose là, et Leonardo DiCaprio. Si t'avais un vœu cinématographique. Rencontrer Scarlett. Non, mais t'as pas réussi. Moi aussi Laetitia. Est-ce que okay. Vous avez laissé là-bas? Non, mais vous avez refermé. Pas fermé. Mais c'est Alain qui a laissé. Si t'avais un vœu cinématographique. Bah oui, mais Alain, on va pas le revoir avant demain. Si vous savez, appelez-le. Mais vous avez pas les clés? Attends, il faut qu'on règle ce problème. C'est quoi le problème? La clé. Elle est où, la c'est clé? Will qui les a. Elle est dans l'hôtel. C'est Will qui les a. Il n'arrive pas à ouvrir. Ah non, mais pardon, oui, c'est Nicolas. Tu les as? Non. T'as une clé? C'est Nico qui les a. Parce que Nico n'arrive pas à ouvrir. On parlait quoi? Non, mais j'ai pas les clés. Tu mens mal. Mais je ne mens pas, j'ai arrêté de mentir depuis que j'ai 8 ans. C'est ça? Bah, je fouille.
Mais je sais pas, c'est pas moi qui les ai mis. Ah merde. Putain, attends, c'est un bon réveillant. Mais t'étais en train de chercher le numéro. C'était bien essayé. Comment tu savais? Bah, je sais pas. T'as dit c'était quelle voiture? Mais non, c'est. Non, c'est bon, il s'est grillé tout seul. Mais moi, je vois. C'est toi qui me les as mis là? Parce qu'il rigole en même temps. Et tu marques ton propre numéro. C'est pas mal. J'ai oublié mon numéro. Si je le tombe. Si je le tombe et que je le perds. C'est moi. J'ai fait ça. Moi, j'ai copié. Attends, je vais m'appeler. Non, mais t'as pas compris. Si t'avais un vœu cinématographique. Si je le perds. Bah oui, on peut t'appeler. Emmanuel. Emmanuel. Si t'avais un vœu cinématographique, enfin, on peut m'appeler. Oui, parce qu'on sait pas qu'il est cinématographique. Un vieux cinématographique. C'est-à-dire pour cette semaine là. Pour demain. Non, pour demain. Pour demain, Ah, mais c'est pas possible. Baigner dans l'eau, tout nu. Quentin. Quoi? Si t'avais un peu cinématographe. Mais non, il est un peu. Coupé! Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai arrêté. Si t'avais. On a perdu. Ton vœu cinématographique pour demain. Pour demain? Ah, pour demain, moi je veux pas de cinéma, moi. Je veux aller faire le tour de l'île. T'as pas de vœu? Même un vœu comme ça? Connaître l'île sur le bout de tes doigts. Oui. Connaître l'île sur le bout de tes doigts. Ah, t'as mis ton numéro en plus, toi, sur ton badge. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il faut faire un montage avec ça. Non, je l'ai pas dit. Parce que ça doit être, non, ça doit être ma petite chatte, c'est pas moi, je l'ai pas dit. Je sais très bien. 0619 65 39 74. Et elle l'a crié dans sa tête et maintenant son téléphone. Voilà, ad vitam aeternam. Mais pourquoi vous avez épilé ça? Bah si, parce que. Mais non, on va pas faire réel en Koh Lanta. Moi j'ai rien épilé, je me suis. Ça fait Lille. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, bah non, ça fait 6 mois qu'on est sur Koh Lanta, ça pue pas. Sauvage, hein. Moi je le fais. Okay. Ouais, mais il dort plus cher, c'est un Derek Moi je suis tous les mois. Qui fait Denis Brogniart? Ah, c'est pas poilu. C'est ça, c'est ça. Statue Koh Lanta débute demain. Retrouvez-nous à 20h50 sur TF1. Avec Denis Brogniart, mais c'est pas moi Denis Brogniart. Denis Brogniart est derrière vous. Il paraît que c'est moi. Ça va, il paraît que c'est moi Denis Brogniart. Elle est au téléphone avec ses vrais amis, regarde. Ça non, on peut faire bouffer, c'est génial. Natacha. D'accord, ça. Si t'avais un vœu cinématographique, tu ferais quoi? Non, pas ça. Un vœu cinématographique, t'as bien entendu. Je sais pas ce qu'elle a entendu. Mais... non, mais c'est, j'ai bien entendu. Je suis pas capable de répondre. Ah, tu te forces, réfléchis. Ah non, 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 Ryan Gosling. Un vœu, le vœu que t'as toujours voulu faire. C'est un rêve, un truc que tu voudrais faire demain. C'est un vœu qui est valable. Voilà. Merci. J'ai pas entendu le vœu. Putain, regarde. La petite chienne. Regarde ta chambre, elle est sympa. Toi, tu partais, donc tu dis... T'as deux lits pour toi toute seule. Ah ouais? Là-haut. Juliette. Ah, Juliette. Juliette, oui. Pose une question. Comment? Je peux te poser une question? Ouais. Si t'avais un rêve cinématographique à faire pour un demain. Un vœu, c'était pas un rêve. Hein. Ouais. J'en ai pas. La question, si, vas-y, un vœu cinématographique. Non, réfléchis. Tout, dépêche-toi. Non. Dépêche-toi, je te dis. Non, j'en ai pas. Ben, réfléchis. Elle vient de se prendre la tête avec le gars avec qui il était au téléphone. Ouais, c'est quoi le moment d'affaire chier? Mais non. Fais un effort. Ben, tu peux rêver que tu le tues. Il est dans le cinéma, toi. Sois original. Merde, non mais je vais faire un transfert. J'imagine plus rien, je suis fatiguée, je sais pas. Non, mais je ne ferai pas d'effort. Elle est là, je sais pas, mais... Une catastrophe, là, tu vois. Tu vas saouler, là. Je crois. Mon rêve cinématographique. T'en as un autre, vas-y. Non, mais je lui soufflais, en fait. Ah, vas-y. Fais-toi souffler. Je n'ai plus de batterie. Voilà, j'ai compris. C'est que tu n'es plus de batterie. C'est que tu n'es plus de batterie.